Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème numéro 10 du sujet S du concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet S, problème numéro 10. Trois cercles tangents 2 à 2 et de centre F, G et H ont pour rayons respectivement 3, 2 et 1. Quelle est l'aire du triangle FGH ? Réponse A, 6. Réponse B, 4 fois racine carrée de 3. Réponse C, 3 fois racine carrée de 2. Réponse D, 9. Réponse E, 2 fois racine carrée de 6. Donc, ici, les cercles sont tangents 2 à 2. Centre F a pour rayon 3. Donc ici, on a un rayon 3. Donc ici, 3. Celui-là a pour rayon 2. 2. Et celui-là a pour rayon 1. Alors, on va tracer FG, FH et HG. FG, FH et HG. Donc, FG. GH et FH. Donc ici, il y a un point de contact avec les deux cercles, qui sont tangents 2 à 2. Donc ici, FG, donc là, ici c'est 3. Ici, ça va être 3. Ici, ça va être 2. Ici, ça va être 2. Ici, ça va être 1, 3 et 1. Donc ici, FG, c'est 3 plus 2. Donc FG égale à 3 plus 2, 5. GH, ça va être 3, et FH, ça va être égal à 4. Alors on va poser GH est égal à A, FH est égal à B, et FG est égal à C. Pour calculer l'aire du triangle FGH, eh bien on va utiliser, on connaît les trois longueurs du triangle, donc on peut utiliser la formule de Héron. Donc S, c'est égal à la racine carrée de P, donc demi-périmètre du triangle, donc P ça va être égal à A plus B plus C divisé par 2, fois P moins A, fois P moins B, fois P moins C. Donc on va calculer le demi-périmètre, donc 3 plus 4, plus 5 divisé par 2. 7 plus 5, 12. 12 divisé par 2, 6. Donc P égale à 6. Ainsi, S est égal à racine carrée de 6 fois P moins A, 6 moins 3, 3. P moins B, 6 moins 4, 2. P moins C, 6 moins 5, 1. Et ainsi, 6 fois 3 fois 2, et bien c'est 6 fois 6, 36, racine carrée de 36, égale à 6. Donc quelle est l'aire du triangle FGH? Bien, ça va être la réponse A. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.